Aujourd'hui, je vais me faire une petite journée. Je suis pas plus motivée que ça. Il y a des jours sans, ça arrive. Je pense que je vais travailler un petit peu, mais peu. Comme d'hab, j'ai mon Inktober à faire. Je le fais en général le matin ou en début d'après-midi. J'ai pas regardé le thème, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Ce que je vous ai montré avant, c'est l'Inktober d'avant-hier, donc du 4, il me semble. Et le thème, c'était l'âme. Et comme j'ai remis le nez dans mon jeu de tarot, l'âme, ça m'a fait penser aux cartes de tarot. Et en plus, pour en rajouter une couche, j'ai fait la lame de la carte de la mort parmi les petites cartes que j'ai dessinées. Voilà, donc ça, vous l'avez vu. Et je vais vous montrer toutes celles que j'ai faites jusqu'à maintenant. Alors, si on reprend depuis le début, je vais remettre dans l'ordre du coup. Voilà, c'était ça. Donc le premier jour c'était poisson, donc j'avais fait ça. Le deuxième jour c'était, je sais plus, mèche je crois. Donc j'avais fait une pieuvre chevelue. Alors celui-là fait 10-10 et celui-là fait 13-13. Ensuite le thème c'était épais volumineux je crois, donc j'ai fait une sirène qui se porte bien. Une sirène bien en chair et heureuse de l'être, avec un petit cœur doré en relief comme ça. Ça fait 15-15. Le jour d'après, on avait radio. Donc j'ai fait un chat. Lui, il a fait 13-13. Donc hier, j'ai fait le jeu de tarot avec pierre, sauve, etc. Des lunes, tout ça. Tout ce que j'aime, quoi. Qui fait 15-15, celui-là. Et hier, j'ai fait une petite souris qui fait 10-10. Celle-ci fait 10-10. Le thème, c'était rongeur. Je vous avais dit que je suivrais ou pas le rythme. Et puis finalement, jusqu'ici, ça va. Bon, on est qu'à la première semaine. Hein. On n'est pas au bout du mois. Bah, tant que j'y suis, je vais vous montrer un peu les petites illustrations que j'ai là. Ah oui, et mes Inktober, je vais les mettre comme tous les ans. Comme je fais depuis 2 ans. Je les mettrai soit le 31, soit le 1er novembre. Mais en attendant, comme l'année dernière et comme l'année précédente, vous pouvez les réserver au fur et à mesure sur Instagram quand vous les voyez passer jour après jour. Vous pouvez me dire, tiens, celui-là m'intéresse. Les prix, juste à titre indicatif, ça va varier entre 20 et 30 euros, grosso modo. Enfin, voilà, j'ai pas défini les prix exactement, mais ce sera à ces alentours-là. Si une illustration vous intéresse, n'attendez pas la fin du mois parce que les autres années, c'est ce qui s'est passé. Elles se sont réservées tout le long du mois. Et arrivé au 31, j'en avais vendu plus de la moitié déjà. Donc peut-être mieux, quand une vous plaît, ne pas trop attendre, quoi. Alors ensuite, je vois que j'ai du boulot. J'ai des choses à mettre en ligne qui ne sont pas en ligne. J'ai plein de petites illustrations en noir et blanc ou avec collage. Qui sont pas en boutique parce que j'ai pas pris le temps de le faire, c'est pas bien, donc je vais le faire. Ah. Alors je vous montre celle-ci, vous devez la connaître un petit peu. C'est un motif que j'avais fait pour une de mes cartes postales à moi et qui a aussi servi pour les cartes de Lulu, vous savez, les cartes à planter. Voilà, ça c'est l'original que j'ai toujours et je sais pas. Pas si je vais le mettre en vente ou pas, j'hésite parce que je l'aime bien et ouais, je sais pas si je vais le garder, ça se peut. Ensuite j'ai un renard. Alors là il y a le blister, donc peut-être que ça peut gêner, on va voir. Ouais, ça brille un peu mais ça va. Un marin, une illustration pour maman avec maman tu es la plus belle du monde. Une petite illustration montagne. Celle-là, je l'avais enlevée de la boutique parce que c'était plus trop d'époque. Mais là, elle va revenir. Donc finalement, ça fait un an qu'elle est cachée. Vous risquez pas de la voir. Donc voilà, là, je vais la remettre en boutique. On a une cabane. Ça, je pense que je vais la réserver pour ma boutique. J'ai une boutique à Bordeaux qui vend que des petites illustrations comme ça de plein d'artistes différents. Et dans cette boutique-là, je vends pas mal de choses autour de Bordeaux et du bassin d'Arcachon. Ces cabanes-là sont inspirées des cabanes du bassin d'Arcachon. Donc je pense que je vais lui amener celle-ci, puis je vais lui en faire d'autres. J'ai
un petit léopard, un visage de léopard. J'ai un parapluie, pareil, ça j'en faisais plus en cours d'année, mais à chaque fois à l'automne j'en repropose parce que c'est un visuel que vous aimez bien. Et enfin on a une frise d'achat. Voilà. Donc ça c'est pour la partie couleur, maintenant j'en ai d'autres qui sont en noir et blanc. J'ai un petit marin avec un petit cœur en feutrine en relief, en 3D, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai un renard. Bon, avec le blister dessus on ne voit pas très bien, mais je vais les enlever du blister pour faire mes photos de toute façon. Donc vous verrez mieux en boutique, ce sera mieux. J'ai une petite princesse comme ça. Une lune, ça les lunes vous aimez bien en général, elles restent pas très longtemps. Ça c'est l'Inktober de l'année dernière, ça c'est le dernier qui me reste d'ailleurs, le tout dernier Inktober de l'année dernière. Tous les autres sont soit vendus soit en point de vente, mais la plupart ont été vendus je pense, ce qu'il y a en point de vente il y en a très très peu. Voilà, ça c'est le tout dernier, donc je pense que celui-là, je vais faire un petit rabais dessus. Ah, et enfin, on en a une sans blister, mais avec un joli fond noir, un petit bateau avec de la broderie, là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez ? Ouais, si ça brille. Ça aussi, c'était un truc que j'avais commencé à faire, mais que j'ai pas pris le temps de creuser plus que ça. C'était d'incruster un petit peu de fil à argent, de fil doré, pardon. Comme ça, dans mes illustrations, j'aime bien. Je trouvais que ça rajoutait... Bon, là, il y en a très peu, mais j'avais fait des illustrations, il y en avait plus. Ah, certes, ça augmente un tout petit peu le prix de l'illustration, parce que ça demande du temps, mais j'aime bien. Surtout pour la fin d'année, je trouve que ça rajoute un petit côté précieux à la chose. Donc voilà, donc ce matin, je vais m'occuper de faire mon Inktober du jour. En général, ça me prend... une petite heure, d'où le prix, parce qu'avant j'y passais moins de temps, donc forcément c'était moins cher, mais là j'y passe un peu plus de temps. Elles sont d'année en année, c'est un peu plus travaillé. Celle de l'année dernière était bien poussée, mais là c'est un peu dans le même genre, donc les prix sont un peu similaires. Aujourd'hui, donc je vais faire mon Inktober, je vais m'occuper de vernir ces coupelles que je viens de faire, que j'ai peintes hier. Donc on a des sirènes. On a deux petites sirènes, j'en ai déjà deux en boutique. On a une Frida, un bol. Alors le bol j'aime bien, ça fait très trompe-l'œil, c'est assez marrant. Ça fait très... comment on appelle ça? Vous savez les trucs qui se peignent sur les murs et les trottoirs en trompe-l'œil, là, si on le regarde d'un certain angle. Ah, j'ai mangé le mot, je sais plus, je vous l'écrirai si je retrouve. Et je trouve que ça fait cet effet-là. On a l'impression d'avoir le vrai bol en relief, en fait pas du tout. C'est un effet assez marrant. On a une petite Frida. Donc là ils sont juste vernis une seule fois, donc c'est pas très brillant, mais je vais mettre plein de couches encore. Et puis là j'ai trois renards qui doivent être peints. Je les ferai peut-être pas aujourd'hui. Et j'ai ces deux lunes à vernir aussi.
Rebienvenue dans Bazar. C'est un vlog pas très très complet, hein, mais bon, c'est comme ça. Il y a des semaines où je fais moins de choses, où voilà, ça arrive. Alors aujourd'hui, on est jeudi 16, je sais plus, octobre. Et aujourd'hui, je vais faire des illustrations à l'encre. J'ai une de mes boutiques à Bordeaux qui vend que des illustrations de plein d'artistes différents. Et moi, je lui propose souvent des illustrations en noir et blanc ou avec collage, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est la boutique dont je vous parlais tout à l'heure, Bokeli à Bordeaux. Donc j'ai commencé à faire des illustrations sur Bordeaux. Donc ça, vous venez de le voir. Et je vais en faire d'autres dans ma journée. Je voulais aussi vous montrer les Inktober que j'ai fait depuis ce que je vous ai montré tout à l'heure. Parce qu'une semaine est passée, au moins. Le jour 7, c'était Imagination. Pardon. Voilà. Ensuite, on avait le jour 8, c'était Dents. Alors, j'ai eu un peu de mal à trouver mon idée, mais j'ai fini par la trouver. Le jour 9, c'était Jeté. Alors moi, j'ai pris Jeté dans le sens lancé. Le jour 10, c'était Hop. Donc, j'ai fait un arbre de vie. Voilà. Le jour 11, c'était... Je sais plus. Ah si, dégoûtant. Dégoûtant, répugnant. Donc j'ai du mal à trouver mon idée. Finalement, j'ai réussi à faire un truc qui me plaît pas trop mal. Avec des flacons de formol, des yeux, un cœur, des champignons, etc. Ensuite, le jour... Ah, pardon, j'ai loupé le jour 5. Bon. Enfin, le jour 5, c'est celui que vous avez vu. Donc. Voilà, c'était le jour 5. Et puis le jour 13, c'était celui-là. Et le jour 13, c'était ça, c'était glissé, je crois. Glissade. Donc il n'y aura pas eu trop de couleurs dans ce vlog-là, mais bon, ça arrive. Hein. On passe d'un truc super coloré à un truc en noir et blanc, c'est rigolo aussi. Voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog-là. Je n'ai pas montré grand-chose, c'est vrai, c'est pas un vlog très très rempli. Hier, j'ai pas fait grand-chose, j'ai une cliente qui est restée plus de 2 heures à l'atelier pour choisir plein de peintures, donc elle est partie avec plein de peintures, donc c'est très cool. Le matin, j'ai l'atelier. Et puis le reste du temps, j'ai fait des pelles et des bijoux, mais comme je vous ai déjà montré ça, j'ai pas voulu... voilà, vous les voyez, là, j'ai fait quelques broches et quelques... Là, il y a les broches, et puis là, il y a les boucles d'oreilles, et puis j'ai fait quelques coupelles, mais je ne veux pas vous remontrer encore la même chose, et je vous les montrerai plus tard, quand j'en ferai plein d'autres pour la fin d'année. Voilà, bah écoutez, ce sera tout. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog ou une autre vidéo. J'ai plein d'idées de vidéos à blabla. Les vlogs... Comme je vous dis, j'en fais moins parce que c'est pas forcément toujours hyper intéressant et j'ai pas envie de filmer tout le temps les mêmes choses. Même moi, ça m'intéresse pas vraiment de filmer tout le temps les mêmes plans, les mêmes choses. Ça apporte pas grand chose au public, donc on va, je vais varier comme ça le contenu. Je pense que moi, ça me plaît plus et j'espère que vous, ça vous plaira. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.